Le film commence avec l'histoire d'un gars nommé Yono, qui est vraiment gentil, mais parfois les gens gentils ne reçoivent pas l'appréciation qu'ils méritent de la part des filles. C'est ce qui arrive à Yono. À ce moment-là, il fait de gros efforts pour être là pour sa petite amie, mais elle finit par tomber pour quelqu'un d'autre. Tout commence lorsque Yono revient en Corée avec sa petite amie, Jong Kyung. Ils veulent tous les deux commencer des carrières dans la musique. Quand ils arrivent en Corée, ils retrouvent Jun Young, le meilleur ami de Yono. Mais Yono ne sait pas que Jun Young et Jong Kyung ont des sentiments l'un pour l'autre qui l'ont gardé secret. Maintenant, après une longue séparation, Jong Kyung revoit Jun Young et se remémore tous les anciens sentiments qu'elle avait pour lui. À l'époque où Jun Young est allée en Amérique pour montrer ses compétences au piano, Jong Kyung était aussi là. Elle était tellement charmée par lui qu'elle l'a embrassé, bien qu'elle soit encore avec Yono et qu'il prévoyait de se marier. D'autre part, Yono était ravi de retrouver son meilleur ami Jun Young. Ils ont discuté toute la nuit, comme le font les frères. Pendant leur conversation, Yono a mentionné qu'il espérait que Jun Young rejoindrait son équipe musicale. Tout semblait aller bien jusqu'à ce que la conversation tourne autour de Jong Kyung. L'expression de Jun Young changea soudainement car il cachait un grand secret à son sujet. Pendant ce temps, Jong Kyung pensait toujours à Jun Young. Pour elle, Yono semblait ne pas vraiment compter car Jun Young était celui qu'elle aimait vraiment depuis le début. Le lendemain, alors que Yono aidait Jong Kyung à se préparer, il évoqua sa conversation de la veille avec Jun Young. Jun Young avait affirmé qu'il n'avait pas rencontré Jong Kyung lors de son dernier voyage en Amérique pour un événement musical. Curieuse, Jong Kyung demanda si Jun Young avait vraiment dit qu'elle n'était pas là. Cela troubla Yono, et il commença à se demander ce qui s'était réellement passé. Sans aucune suspicion, Yono demanda à nouveau à Jong Kyung si elle avait vraiment été en Amérique. Elle répondit rapidement non et mentit en disant qu'elle n'y était pas allée. Elle faillit laisser échapper combien Yono serait bouleversé s'il découvrait qu'elle et Jun Young s'étaient embrassés pendant ce voyage. Peu après, Jong Kyung rencontra secrètement Jun Young pour parler de leurs sentiments. Cependant, penser à Yono la rendait prudente car elle se sentait encore coupable. Malheureusement, la façon dont elle s'exprimait conduisit Jun Young à mal la comprendre, ce qui le déçut et il la quitta brusquement. Il s'avère qu'une femme nommée Song a vu cela se produire. À ce moment-là, Song a joué dans un orchestre et a été aidée par Jun Young. Elle rêve de réussir dans la musique, mais malgré son travail acharné jour et nuit, elle a du mal à progresser. Song a essayé de nombreuses fois d'entrer dans une école de musique, mais elle a été rejetée à chaque fois. Finalement, elle a été acceptée dans une école. Dans cette école, Song a été l'élève la plus âgée, ce qui la distinguait. Les autres élèves plus jeunes se moquaient souvent d'elle ou la taquinaient parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas très bonne. Cependant, Song ne laissait jamais leurs paroles l'affecter, préférant garder ses sentiments pour elle-même. Quand elle se sentait triste, elle passait du temps seule à réfléchir. Pendant une période très difficile de sa vie, Song rencontra Jun Young. Elle était à une répétition pour un concert d'orchestre, et bien qu'elle participât, elle était assise au fond. Dans un orchestre, l'endroit où l'on est assis montre souvent son niveau de compétence, et malheureusement, Song a été considérée comme la moins compétente. À ce moment-là, Jun Young est arrivé en retard à la répétition, mais a tout de même reçu un accueil chaleureux de la part du chef d'orchestre, ainsi que des éloges pour ses compétences au piano. Pendant ce temps, le chef d'orchestre n'était pas satisfait du son du violon de Song A et lui a dit que cela ruinait la performance. C'était la première fois que Song A se produisait, et elle demanda discrètement au chef d'orchestre de lui donner une autre chance. Au lieu de comprendre, le chef d'orchestre l'a réprimandé sévèrement. Song A était tellement bouleversée et embarrassée que tout le monde la regardait essayer de retenir ses larmes. Voyant combien elle était triste, Jun Young fit tomber habilement son livre pour distraire tout le monde et détendre l'atmosphère. Le chef d'orchestre cessa d'être en colère, mais Song a dû quand même partir. Peu après, un ami de Song est venu la féliciter, sans savoir qu'elle n'allait pas se produire. En discutant, Jun Young entendit la conversation et décida d'intervenir. Il complimenta Song devant son ami, montrant ainsi son soutien pour qu'elle ne se sente pas découragée. Son ami fut très impressionné qu'un pianiste célèbre comme Jun Young félicite Song A. À partir de ce moment-là, Song A et Jun Young se croisèrent souvent par hasard. Jun Young est un gars discret, et Song A est une fille timide. Chaque fois qu'ils se rencontraient, les choses étaient toujours un peu gênantes entre eux. Song A avait rencontré de nombreux échecs, et sa famille, fatiguée de l'avoir lutté, lui suggéra de trouver un travail normal plutôt que de poursuivre ses rêves. Avec le temps,
Song a obtint un stage dans une fondation culturelle gérée par l'entreprise familiale de Jang Kyung. Ce travail l'a mis en contact avec Jun Young, Jang Kyung et Yeon Ho. Son patron, Yong In, l'attribua au travail avec ces trois personnes, ce qui les a aidés à mieux se connaître. Un soir, ils sont tous sortis dîner ensemble. Pendant le dîner, Yeon Ho était bavard et semblait joyeux, ignorant que Jun Young et Jang Kyung se sentaient mal à l'aise à cause de leurs sentiments cachés l'un pour l'autre. Ironiquement, bien que Yeon Ho semblait être le plus heureux, il était en réalité le plus triste. Après le repas, Yeon Ho demanda à Jun Young de jouer une chanson au piano. Il se tourna vers Song A pour suggérer une chanson, et elle recommanda Tromrae. Peu après, Jun Young se fit silencieux en entendant cette chanson, car Tromrae était une chanson spéciale pour lui et Jang Kyung. Malgré son hésitation, Yeon Ho insista, et Jun Young finit par jouer la chanson. Lorsque Jang Kyung entendit Tromrae, elle fut profondément émue. Ses yeux étaient fixés uniquement sur Jun Young, et elle ne pensait même pas à Yeon Ho, qui était juste à côté d'elle. La chanson raviva un flot de souvenirs qu'elle partageait avec Jun Young. Même après leur départ, Jang Kyung ne pouvait pas s'arrêter de penser à lui. Pendant ce temps, Jun Young devait s'occuper de Yeon Ho, qui était ivre. En se dirigeant vers la maison de Yeon Ho, ce dernier parlait constamment dans son état éméché de combien il aimait Jang Kyung. Cela la fit se sentir coupable et triste. Il tenait beaucoup à Jang Kyung, mais il ne voulait pas non plus faire de mal à son meilleur ami, Yeon Ho. Le lendemain, Jang Kyung trompa Jun Young en l'emmenant à un concert de musique avec elle. Elle lui dit que Yeon Ho allait y jouer, pensant que Jun Young ne voudrait pas manquer cela. Au concert, les choses ne se passèrent pas comme Jang Kyung l'avait prévu, car Song A était aussi présente. Jun Young finit par prêter plus d'attention à Song A qu'à Jang Kyung. Après le concert, ils sont tous sortis manger ensemble. Pendant le repas, une chanson a joué en arrière-plan, et Song A a mentionné combien elle aimait cette chanson. Yeon Ho a plaisanté en disant que bien sûr, tous les violonistes l'aimeraient. Ensuite, il a demandé à Jun Young ce qu'il en pensait, puisque Jun Young est aussi violoniste. C'est là que Jun Young a partagé qu'il aimait la chanson non seulement pour sa musique, mais aussi parce qu'il y avait une histoire spéciale derrière. L'histoire de la chanson parlait en réalité de l'amour entre Jang Kyung et Jun Young, quelque chose que Yeon Ho ne savait pas. À ce moment-là, Jun Young n'a pas dit grand-chose de plus parce qu'il ne voulait pas contrarier Yeon Ho. Le lendemain, Yeon Ho a rencontré Yong In juste pour discuter. Pendant leur conversation, Yong In a mentionné que Jang Kyung avait assisté à une performance de Jun Young en Amérique. Cette nouvelle a fait naître des soupçons chez Yeon Ho, qui commença à se demander si Jang Kyung et Jun Young lui cachaient des choses. Il passa la nuit à se sentir inquiet et méfiant quant à ce qui pourrait se passer. Comme Jang Kyung allait pratiquer la musique avec Jun Young, elle ne voulait pas que Jun Young la voie avec une bague de mariage. Donc, elle l'a enlevée avant de commencer leur session. Quand ils étaient sur le point de commencer, Yeon Ho remarqua que Jang Kyung ne portait pas la bague qu'il lui avait offerte. Il lui devint clair qu'il se passait quelque chose de spécial entre Jang Kyung et Jun Young, ce qui le déçut vraiment. Tout le monde était embrouillé à cause de leurs sentiments, et sentant le problème, Jun Young quitta rapidement les lieux. Malheureusement, juste après le départ de Jun Young, Jang Kyung courut après lui, laissant Yeon Ho tout seul, très contrarié. Cependant, Yeon Ho essaya de rester fort. Il accompagna même Jang Kyung jusqu'à la porte pour prendre un taxi. Le soir, Yeon Ho se rendit chez Jun Young et l'invita à prendre un verre ensemble. Yeon Ho finit par boire beaucoup et se retrouva bien ivre. Ensuite, il demanda à Jun Young de partir. Jun Young pensa d'abord que Yeon Ho plaisantait, mais en voyant l'expression sérieuse de Yeon Ho, il se rendit compte que ce n'était pas une blague. Sachant que Yeon Ho était brisé, Jun Young décida qu'il était temps de mettre fin définitivement à sa relation passée avec Jang Kyung. Après avoir parlé avec elle, Jun Young partit pour de bon. Pendant ce temps, Yeon Ho, le cœur brisé, continuait à regarder sa bague de mariage, se sentant triste. De son côté, Jang Kyung, qui avait été prise, ne pouvait plus cacher la vérité. Elle et Yeon Ho finirent par avoir une conversation privée. Ils avaient d'habitude l'habitude de rire ensemble, mais cette fois-ci, c'était très gênant. Ensuite, Yeon Ho commença la conversation, essayant de contenir ses larmes, et son corps tremblait de l'effort. Jang Kyung se sentit triste et coupable d'avoir blessé Yeon Ho, mais elle ne pouvait pas nier ses véritables sentiments. À ce moment-là, Yeon Ho dit à Jang Kyung qu'elle pouvait prendre du temps si elle en avait besoin, mais il la supplia de ne pas le quitter pour toujours. En entendant cela,
Jong Kyung se mit à pleurer et mit finalement fin à leur relation en s'excusant. Maintenant, Yeon-ho était laissée seule. Peu après, Jong Kyung rentra chez elle et raconta à sa grand-mère ce qui s'était passé. Jong Kyung et sa grand-mère n'avaient pas la meilleure relation parce que sa grand-mère la pressait toujours de s'occuper des affaires familiales. Lorsque sa grand-mère entendit l'histoire, elle dit que Jong Kyung avait pris la bonne décision et insulta même Yeon-ho en l'appelant pauvre et en le méprisant. Étrangement, Jong Kyung se sentit blessé lorsque sa grand-mère insulta Yeon-ho, ce qui la rendit en colère contre sa grand-mère. Pendant ce temps, Jun Yong, qui continuait de rencontrer Song-ha, finit par tomber amoureux d'elle. Il admirait la façon dont Song-ha restait positive même quand les autres la dénigraient, et Song-ha remarqua que Jun Yong la soutenait toujours discrètement. Lorsque Jong Kyung apprit les sentiments de Jun Yong pour Song-ha, elle se sentit le cœur brisé parce que ses sentiments pour Jun Yong n'étaient pas réciproques. Elle essaya de le reconquérir, mais cela ne fit que causer plus de douleur. Puis, Jun Yong finit par dire à Jong Kyung qu'il était temps pour elle de passer à autre chose et de réévaluer ses sentiments. Il souligna qu'elle semblait heureuse lorsqu'elle était avec Yeon-ho, mais maintenant elle était seule. Cela fit commencer Jong Kyung à manquer Yeon-ho. Alors qu'elle était seule et réfléchissait, Jong Kyung apprit que Yeon-ho allait partir à l'étranger. En touchant sa joue, Jong Kyung se rappela comment Yeon-ho réchauffait ses mains et disait que ses mains étaient froides seulement quand son cœur était triste. Réalisant qu'elle était effectivement triste à l'idée de voir Yeon-ho partir, Jong Kyung ressentit une profonde douleur. Sa tristesse grandit encore plus lorsqu'elle apprit de manière inattendue que sa grand-mère était décédée. Tous ces événements malheureux qui se succédaient la laissèrent très abattue. Lors des funérailles de la grand-mère de Jong Kyung, Yeon-ho et Jun Yong vinrent présenter leur respect. Ils étaient là pour soutenir Jong Kyung, et Yeon-ho réchauffa même ses mains une dernière fois, comme il le faisait auparavant. En plus d'assister aux funérailles, Yeon-ho se rendit aussi à l'anniversaire de la mort de sa grand-mère, où il joua aux côtés de Jong Kyung, Jun Yong et Song-ha. Après leur performance, Yeon-ho rendit un livre de musique que Jong Kyung lui avait prêté. Cela rendit Jong Kyung très triste car cela signifiait qu'il n'aurait plus de raison de se voir. Yeon-ho dit alors adieu et s'éloigna. Dans un élan émotionnel soudain, Jong Kyung courut après Yeon-ho et lui demanda quand il reviendrait. Yeon-ho répondit qu'il ne savait pas, suggérant qu'il pourrait ne pas revenir. En entendant cela, Jong Kyung se sentit vraiment contrarié et pleura en regardant Yeon-ho partir. Après les funérailles, Jong Kyung se retrouva seule et décida de devenir professeur de musique. Elle passa beaucoup de temps à réfléchir à ses erreurs passées et à en tirer des leçons. Un jour, alors qu'elle se préparait à jouer du violon dans la salle de musique, il y eut un coup à la porte. À sa grande surprise, c'était Yeon-ho. Il la salua simplement, et au début, Jong Kyung était si choquée qu'elle ne pouvait pas croire qu'il était vraiment là. Bientôt, elle revint à elle et lui répondit. À ce moment-là, Yeon-ho avait décidé de revenir et il choisit de pardonner à Jong Kyung pour tout ce qui s'était passé. Maintenant, ils étaient prêts à recommencer leur histoire. Et le film se termine. La leçon de ce film est que si la vie vous donne des mains froides, assurez-vous d'avoir un chauffe-main ou un ex-petit ami qui pardonne à proximité.